Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la TNT Clash Monsieur le V12. Vous avez pu voir le premier épisode avec Vince et Stuff, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller dans la description, je vous ai mis le lien. Aujourd'hui nous sommes avec Bello, Gaul et Samy, et je vous demande d'avoir un petit peu d'indulgence pour Samy, parce que Samy n'est pas forcément très à l'aise avec les vidéos comme ça, c'est un petit peu nouveau pour lui, donc j'espère que vous serez indulgent avec lui et j'espère surtout que vous allez bien vous éclater. N'oubliez pas que cette vidéo a pour but de vous faire connaître tous les membres de la TNT, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer ce concept, et donc n'oubliez pas que c'est histoire de vous divertir et que ce n'est pas, en tout cas je l'espère, des vannes pensées. Enfin, j'espère que les membres de la TNT ne pensent pas tout ce qu'ils disent et que c'est simplement des petites vannes pour rigoler. Parce que sinon, je pense qu'ils ont une très très mauvaise idée de moi-même. Allez, sur ce, je vous laisse et profitez bien de la vidéo. Yo, salut à tous et bienvenue. Comme vous l'a dit Karim en début de vidéo, ce sera nous qui allons commenter ce gameplay. Donc moi-même, Bello Gaul et Samy 92i. 92i, hero. Comment que c'est Bello? 92i, hero. Ça va bien, tranquille? Ça va et toi? T'es prêt à lâcher ton venin là pour ta revanche? Je suis prêt là j'ai de la vengeance. Elle est juste là au niveau de la gorge là. Ça va sortir, t'inquiète. C'est ça qu'on veut voir. Bon allez, on commence tout de suite, bon, avec sa classe. Donc KN44, 4 accessoires, poignée, tir rapide, silencieux et canon long. C'est ça? Ouais, c'est ça. Non, gros calibre. Gros calibre, pardon. C'est gros calibre. Gros calibre. Et après, au niveau des atouts, il avait fantôme, il me semble, malest et impulsion furtive. Je me rappelle bien. Je crois que c'est ça. Je pourrais pas t'aider, j'ai pas fait gaffe. Non, je pense que c'est ça. Et le mode de jeu, donc la liaison satellite, on n'en fait pas très souvent avec la TNT, mais depuis un moment, ça, c'est vrai qu'on commence à bien kiffer ce mode de jeu-là. Ouais, franchement, moi je prends énormément de plaisir dessus, et c'est un bon mode de jeu. Ouais, j'avoue, c'est un peu plus technique que la Domi, hein, même si la Domi ça reste technique aussi, mais là, c'est vrai que c'est pas mal. Tu l'as vu ce petit move là? Ah ouais, la petite double a été magnifique. Ouais, enchaînement de 2 kills là, V12-12BG. Bon, on est là pour le clasher, mais quand il fait des belles choses, faut savoir le dire. En tout cas, ouais, son move était beau. Même si l'autre, il le regardait pas derrière, mais en tout cas, c'était un bon move. Donc, il est dans le spawn ennemi. Là, à mon avis, il cherche les kills. En tout cas, il a pas calculé la balle. Donc, je pense qu'il va chercher à faire un gameplay. Un gameplay spawn nuke, peut-être. Hein. Un gameplay, spawn kill. Nous, on sait pas ce qu'il a fait dans ce gameplay. Hein. On commente ça, on sait pas trop ce qu'il a fait. Donc on va commenter ça, hein, comme oh là là, comme il est dans le dos lui. Oh, le shoot. Oh, le fail. C'est quoi ce shoot là? Shoot de vieux. Eh oui, c'est un vieux. Un shoot de vieux. Ah ouais, il commence à avoir Parkinson le petit, hein. Le petit V12-12. Oh, un demi-chargeur pour tuer un mec. Eh, V12-12, t'as fait 4 kills, t'as plus de balles, mec, hein. Attention. J'espère pour lui qu'il a pire. Ah bah non. Ah, il a ramassé une arme. Ouais. Il attend un petit peu, tempo. Il est bien dans sa petite cabane là. Je crois que ça arrive sur lui tranquillement. Parce que je vois, il a pas envie de jouer la boule en tout cas. Ah non, la boule non. Là, on dirait qu'il est en match à mort là, tranquillement. Prends pas la tête avec la boule. Campe un petit peu. Oula, qu'est-ce qui se passe? T'as frisé ou quoi? Ouais, je crois que sa manette s'est dégoûtée, je pense. J'ai cru que ça avait frisé, tellement il campe. Je te jure, je croyais que ça avait frisé. En tout cas, s'il veut camper, il n'y a pas de souci. Hein. Dans la petite pièce, là, il y avait une petite tente. Mais pourquoi il a campé dans cet endroit à côté de la maison, là? Oh, je sais pas, il a tempo. Ok. Oui, en tout cas, il aime bien cette maison. Hein. Y a pas grand-chose à commenter. Là, il est dans sa maison, il attend. Il met son fantôme, ok. Il a sa concentration, il va sûrement l'activer, là, je pense. Ouais, je pense qu'il va pas tarder à l'activer, là. Le connaissant, il va pas tarder à l'activer. Il a combien de son hater? 175. Ouais, c'est bon, il va avoir son hater, à mon avis. Est-ce qu'il va faire sauter avant son hater? Et qu'est-ce que tu fais, mec? Il se dirige vers la grotte. Oh, là, il est en mode. C'est pas du camping, c'est de la temporisation extrême.
Il est en mode temporisation. Hein, comme il dit, je campe pas, je temporise. Ah bah là, on le voit très bien hein, ce que c'est la temporisation. Hein. C'est de la temporisation extrême. Et noyau hater. En débloquant sa concentration. Ah, et là, il va rusher ce hater quand même. Bah oui. Hein, il va aller chercher les ennemis. Hein, c'est un peu plus facile, ouais. V12-12. Ouais, ouais. Oh, lui, il bougeait pas. Ok, un kit gratuit, c'est bien. Il en a vu un dans l'eau. Il va le fraguer. Il était au bazooka. En impitoyable, en tout cas. Là, il est en impitoyable ? Ouais, ouais, déjà. Il va nous faire une nuque ou quoi ? Je sais pas, on verra bien. Alors, est-ce qu'il va nous faire une nuque, à votre avis, les gars ? Vous pouvez déjà... Vous pouvez même déjà commenter avec le hashtag V12 Campouze. Parce que là, il faut dire ce qu'il y a, hein, c'est la... Temporisation extrême, ça n'existe pas, c'est soit tu campes, soit tu rushes. Il n'y a pas de choix, c'est comme ça. Donc là, vous pouvez déjà mettre dans vos coms, là, vous pouvez déjà taper V12 Campouze. Ça le mérite, hein. C'est... pour moi, c'est... ça mérite un V12 Campouze. Ça donne d'accord. Hein. J'aimerais bien un petit hashtag en TT, ce serait magnifique. En TT, la mise au feu, là, mais bon. Bon, il est toujours dans sa cabane, hein, les gars, toujours dans sa putain de cabane. Et voilà, il fait que ça, il est dans sa cabane, il fait du kill, ok, il est en impitoyable, non, en implacable, c'est ça ? Non, il est en impitoyable. Impitoyable, ok, impitoyable, mais bon, ça bouge pas beaucoup, hein. Ça fait le tour de la maison, ça fait rentre dans la maison, ça passe dans l'eau, mais ça reste dans sa putain de maison. Il a même mis un noyau énergétique sur le spawn ennemi au cas où, hein, si les mecs ils veulent taper dessus pour qu'ils puissent les fraguer encore plus facilement. Ok, allez, ça contourne, ah, il bouge un petit peu là, ça y est. Il redébloque son éther, son fantôme. Bon, il bouge un petit peu, mais il reste 9 secondes. Bon, on va faire un bilan. Attends, on va attendre que ça se termine. Normalement, ça va se terminer. Ouais, c'est bon, c'est fini. Un petit bilan de cette première période, Samy. Bah, tout simplement un contrôle des spawns assez efficace. Ça se voit parce qu'il est toujours en 25-0. J'espère pour lui qu'il sera en série de nuque. J'espère pour lui qu'il aura la nuque. Mais on verra ça après. Et toi, t'en penses quoi de ce gameplay, Bello ? Bah, un peu comme toi, là, vraiment de la temporisation extrême. C'est vrai qu'il contrôle les spawns, mais c'est pas très beau à voir, quoi. Et ok, il y a du 25-0, mais j'espère qu'il va mieux faire dans... Enfin, il fait déjà bien, mais je veux dire, j'espère que ce sera un peu plus spectaculaire dans la deuxième mi-temps. Un peu plus d'action, ouais. Un peu plus de rush. Bon, il a un hater, fantôme, je pense qu'il va le mettre tout de suite, son hater, à mon avis. Et qu'il va rusher, là, il a l'air de rusher à la droite. Hater, oh, brouilleur, sois pas deg. Oh là là, là, c'est fait douiller, là. Là, c'est la douille de l'année, là. La V12, c'est la sois douille. Sois pas deg, le hater. Pas grave, c'est pas cher un hater, mec. Grave, c'est pas comme si tu te cassais la tête à le débloquer. Ouais, bon, en même temps, il s'est pas trop cassé la tête dans son bâtiment. Oui, donc, ouais. C'est un peu bien fait pour sa gueule, hein, en même temps, non ? Ouais, je pense aussi. C'est le karma, là, voilà, ça l'a puni. C'est le karma. Bon, allez, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Il contourne. Oh ! Oh ! Oh, le shoot ! Oh, mon dieu, le shoot ! Oh, mon dieu, oh, V12. Mon pote, c'est la choum. C'est la choum, l'autre shoot, c'est la choum. Oh, je te jure, j'ai un petit rejet là. Il est monté, je l'ai senti de vomi, de shoot de merde. Là, c'est un shoot à 4 sur 20. Là. C'était ouais, dégueulasse. Comme il nous le dit souvent, c'est indécent. Oh. Bah là, poteau, ton shoot, c'est indécent. Ah, c'était indécent là. Ah, ça va. Il s'est rattrapé sur ce shoot là. Implacable. Ouais, il va nous faire une nuque peut-être, on sait jamais. Oh, attends, sur l'escalier, le rechargement. Eh non. Tu t'es fait détruire, poteau. Ta série. Tu l'as dans le zouk. Chef. Oh putain, comme les fils de pute de Joiner qui join et qui te casse ta série. On est en train de se réjouir sur sa perte de série, on est vraiment des bâtards putain. Quand même. C'est une petite vengeance. Oh, la double était pas mal. Une petite balle qui one-shot deux ennemis, hein, une action de connecto. C'est courant avec la manoir en ce moment. Ouais, moi elle fait pas ça ma manoir. Hein. Ah, moi je te dis qu'elle fait ça. Ouh, j'ai bien aimé ce petit move aussi là. Ouais, il était pas mal. Ah, franchement. Autant il nous fait des bons maîtrises de shoot, autant il nous fait des shoots de grand-père. Ça dépend, il est un peu comme ça avec 12-12. Hein. Il a l'air de faire des bons shoots, des actions. Comment on pourrait appeler ça là? Attends, je vais essayer de trouver un nouveau terme technique. Un burn kill. C'est un burn kill. Ouais, c'est quand t'as l'avantage, ça. C'est grâce à une burn que tu fais ça. Ouais, voilà. C'est un bon burn kill, ça. Bon, il est dans le... En tout cas, là, il est vraiment au cœur du spawn ennemi. Hein. Ah, il est en train de se faire plaisir, là. Ah ouais, il est en train de les enchaîner, là. Ah, on dit rien, mais... Tu vois que sa série a été cassée. Ouais, la série, elle est cassée. Là, il
il est en mode je crève la dalle de frag. Faim. Ah ouais, la faim. Bon, il remet son noyau, son hater. Il va remettre son fantôme sûrement à mon avis. Il reste dans son spawn. Bon là c'est vraiment du gameplay full spawn kill hein. Ah ouais, ce que je vois c'est full spawn kill. Oh, il a plus de balles. Il a ramassé un snipe. Oh, putain, attention. Un locus. Un kill au snipe de V12 au snipe. Oh. Va-t-il le faire? Oh non, le pain. Oh, il s'y fait. Oh, oh là là. L'enfoiré, il a voulu crosser. Quel enfoiré là, ouais, il a voulu crosser. Il a pas voulu tenter de prendre de risques à essayer de roscope. Non, il s'est dit j'ai pas le niveau au snipe. Vas-y, je vais crosser. Ça manque d'entraînement, tout ça. Mais en tout cas, je sais pas, mais à mon avis, il avait refait une deuxième série de au moins 10 là, plus. Hein. Ouais, il était reparti en série, mais. Mais il s'est fait péter avec son cross, voilà. Fallait la jouer legit. T'as voulu crosser, t'as voulu faire la petite. Le petit knacky dans le pantalon, ben voilà, c'est mort. Il continue. Toujours dans son spawn, il est bien dans son spawn ennemi. Ah, hein, en plus, il aime bien son spawn ennemi. Il frappe des mecs au bazooka, ils sont comme ça en mode je m'en bats les couilles du jeu. Limite en mode AFK. Oh, ouais. Leur but c'est de prendre le. Oh putain, V12 à la boule. À la boule, putain, il a pris une boule. Ah, attends, combien il a pris la boule à 11 minutes 26 de gameplay. Bien, hein. Franchement, bien. Franchement, t'aurais pu la. Bravo V12, bravo. T'aurais dû la prendre un petit peu plus tard la boule, hein. Moi je dis à 30 secondes de la fin, ça aurait été bien. Hein. En fait, il a voulu faire genre, ouais, je prends une boule histoire de ouais, j'ai joué un peu l'objectif, mais non, t'as pas joué l'objectif. Je suis sûr qu'il a pris la boule pour débloquer ses score streaks. Je suis obligé. Ouais, c'est ouais. Sûr. Pour avoir des points. C'est sûr. Mais bon, on peut pas dire qu'il a joué l'objectif, hein. C'est pas parce qu'il a mis un point que. Hein, c'est rien du tout ça. Hein. Ça aussi, on va en parler de ses stats à la fin. On va en parler. Bon, il est toujours dans son spawn ennemi. C'est pas. Il n'y a pas grand chose à commenter au niveau des déplacements parce qu'il est vraiment en mode 100% agression dans le spawn ennemi là. Oh là là. Il fait que. Ah, il lâche pas. Clairement, il les lâche pas. Ah ouais, là, il a pas le temps là. On dirait qu'il veut faire un sans bombe. Je sais pas s'il est parti, mais. Je pense que 60 frags c'est déjà son. Ouais, il son fantôme. Son fantôme à une seconde de la fin. Encore une douille. 72-2, 72-2, il y a à peu près 68 kills de fantômes. 3 kills à l'arme. 3 kills à l'arme. Ben voilà, pour ce gameplay, c'était vraiment un gameplay 100% agression. Il y a quand même un 72-2, mais il a quand même bien géré malgré le fait qu'il était dans le spawn et qu'il a pas joué très propre, on va dire ça, mais il a quand même maîtriser ses spawns, il a fait quand même une bonne partie, faut dire ce qui est. Je sais pas ce que t'en penses, Samy, toi. Ouais, il a tout simplement joué son rôle de Slayer en maîtrisant le spawn ennemi. Perso, j'aurais fait pareil si ça permet à mon équipe de gagner, j'aurais fait pareil. Voilà, zéro transport, un lancé. C'est pas très objectif, mais en tout cas, c'était une bonne game quand même. Voilà les gars, bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu. Comme d'habitude, sur ce, on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde! Ciao les potes!